va. Allez. On adore. C'est parti. Alors du coup, il est 11h52, on part de Saint-Agnan en Vercors et destination le plateau avec, c'est combien de dénivelé? 800. Avec 800 de dénivelé et avec des sacs entre 10 et 15 kilos, on sait pas trop. Voilà. Là, on va prendre cette montée. Bon, à tous ceux qui ne considèrent pas la rando comme un vrai sport, je vous invite à faire une montée de plus de 800 mètres de dénivelé avec plus de 10 kilos sur le dos et on en reparle. Yes! Alors, au menu ce soir, des petits graissins, de la tomme des Bauges, et là, des pastas aux champignons qui sont en train de se préparer. Et en bonus, une petite vue sur le Grand Vémont qu'on va faire demain au lever du jour. Et on est contente. Début du jour 2, il est 4h45 et on se dirige vers le Grand Vémont. Le petit réveil à 3h45, on adore. Et on est motivé pour aller à 2341 mètres. Allez, c'est parti! Marcher la nuit, c'est un spectacle incroyable. C'est juste la montagne et toi, le calme absolu. Il est où le sommet? Il est où? Purée, mes cuisses, elles brûlent. C'est un délire. Allez. Allez, encore quelques minutes.
Alors actuellement, à 8h, une fois sur le sommet, nous allons déguster un petit déj étoilé. Donc flocons d'avoine, chocolat et fruits avec une vue plus. J'ai envie de dire, même les grands hôtels de luxe n'ont pas ça. Bon app. Qu'est-ce que c'est mignon. L'eau, c'est la vie. Alors, ça coule bien, hein, par rapport aux autres. Je me permets de faire une petite pause car il me semble que c'est un sujet important et qui peut éviter des situations pas très sympas. Donc si jamais vous allez faire de la randonnée sur les hauts plateaux et surtout en été, faites très très attention à l'eau. C'est très aride, donc prévoyez large et vérifiez l'état des sources avant de partir. Voici le campement de notre deuxième nuit. On a déjà déplié la tente, étant donné qu'on soupçonne qu'on va devoir s'abriter de temps, car comme vous pouvez le voir, il y a des nuages peu rassurants en fait en arrière-plan, et on entend un peu des bruits d'orage. On va peut-être se taper de la flotte. Alors pour ce deuxième dîner, un tout autre décor. Voilà, nous sommes dans la tente et comme on peut le voir et l'entendre, il pleut beaucoup. Mais on est contente et après on va avoir des pâtes au curry. Ouais, des pâtes au curry. Avec un peu de chance, on n'aura pas d'orage. A few moments later. On y va? Allez, on y va! Ouais. Allez là! Oh, trop stylé! Alors c'est parti pour le jour 3, là on quitte notre super campement, intact, très important, on laisse toujours les campements comme on les a trouvés. Exactement. Et aujourd'hui au programme, on va se balader sur le plateau, on va aller voir une grotte, on va, observer les marmottes par exemple. Ouais, les marmottes, les bouquetins. Voilà. On va se cacher du soleil tout à l'heure aussi. Ouais. C'est très chaud. Il fait déjà très chaud, ouais. Il fait très chaud. Donc voilà, beau petit programme pour cette troisième journée. Et la vue est juste dingue. C'est grandiose. Là-bas, on voit les Alpes. Et tout ça là, c'est le plateau.
Alors, c'est parti pour la journée 4. Du coup, là, on quitte notre campement comme d'hab intact, bien évidemment. Et, ouais. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas trop fait la synthèse de notre journée 3. Pleine d'émotions. Pleine de rebondissements parce qu'on devait avoir une journée un peu chill. En fait, on a pas mal marché, on est descendu du plateau, on est remonté. Ensuite, du coup, on est reparti un peu en mode promenade sur le plateau en sortant des sentiers battus. Et en fait, à ce moment-là, on s'est fait chasser par des chiens. Par trois énormes chiens de berger. Mais on allait se faire attaquer. On a eu la peur de notre vie. Ah, en vrai. Vraiment, on a eu très très peur. Ouais, et je crois qu'ils nous ont fait marcher 40 minutes ou peut-être une heure de plus. Ouais, alors en fait. T'étais prête à se poser. Ouais, ils ont fait leur taf parce que du coup, on est clairement parti plus loin. Et on a trouvé ce joli spot face au Grand Vémont. Aujourd'hui, on fait quoi? On monte un peu vers le Grand Vémont et on traverse un peu les plaines et les forêts du plateau. Et comme d'hab, on va un peu improviser, de toute façon. Il faut qu'on trouve de l'eau, bien sûr. Et puis avant-dernière journée, quoi. Avant-dernière journée, déjà. Sniff. Et bien voilà, la boucle est bouclée, on descend, dernier jour, il nous reste bien une heure et demie de descente. Et puis ça sera terminé quoi, sniff sniff, c'était bien beau, c'était bien sympa. Et on a du soleil pour terminer, on adore.